À propos de nez, sentir nez, hein, vous allez comprendre. On part dans un charmant village de pêcheurs situé entre le Cap Griné et le Cap Blanc-Nez. Ok, d'accord. C'est 800 dans le Pas-de-Calais. Laurent en parle souvent d'ailleurs, hein, à cause des vents forts qui soufflent. Oui. Hélène Bossy vous fait donc découvrir cette destination incontournable de la Côte d'Opale. Tous à 800. Oui. C'est l'un des plus beaux villages de la côte d'Opale. Les deux caps dans le Pas-de-Calais sont magnifiques, mais ils sont aussi balayés par un vent très fort. Quelle est l'identité des 800ais? Suivez donc Jean-Jacques, l'un des derniers pêcheurs ici. Il est cloué à terre à cause de la météo. Vous verrez aussi que la côte recule chaque année, une érosion incroyable due au réchauffement climatique et aux tempêtes de ces dernières semaines. D'un côté, le Cap Griné, de l'autre, le Cap Blanc-Nez. Dans le Nord-Pas-de-Calais, cette côte est exceptionnelle. 800 est posé au milieu d'un des plus beaux sites de la région. On compte 1000 habitants à l'année. Malgré une température moyenne annuelle de 10 degrés, les touristes, même en hiver, affluent dans ce village préservé. C'est le dernier paysage protégé de la Côte d'Opale. Vous n'avez plus rien d'autre en espace naturel. C'est pas bétonné, vous avez une baie vivante, sauvage. Audrey est maraîchère. Voici les derniers légumes de cet hiver. L'année dernière, il a fait jusqu'à moins 15 degrés. Alors ces veloutés maison ont eu un beau succès. Cette année, pas de température négative. La saison est plutôt douce. J'ai la betterave rouge carotte en dégustation ce matin. Vous voulez goûter? En betterave rouge, j'ai aussi pomme. Betterave rouge, pomme. C'est bon. Ça me fait du bien, ça me réchauffe. Audrey vient ici toute l'année. La météo, elle la connaît par cœur. La caractéristique de 800, c'est surtout le vent. C'est vrai que 800 sans vent, c'est pas 800. Il y a toujours une petite brise, un petit quelque chose. Ce n'est pas des tempêtes, mais il y a toujours quand même un petit peu de vent. 800 sans vent, je vous dis, ça n'existe pas beaucoup. Les gens qui viennent ici savent qu'ils ne vont pas avoir 40 degrés comme dans le sud. Donc, ils sont équipés, ils ont les manteaux, les chaussures, les bottes. Et ils sortent quand même. La plupart du temps, quand ils viennent à 800, ils profitent de ce temps. Malgré le vent, la pluie, ils profitent quand même. Un vent qui fait le bonheur de ses sportifs. 800 est d'ailleurs le meilleur endroit dans la région pour faire du kitesurf. Mais cette météo fait aussi le malheur des pêcheurs, comme Jean-Jacques. C'est l'un des derniers de la côte d'Opale à pêcher avec un bateau d'échouage. C'est dur, hein, pour je vais tout seul avec, hein, il fait quand même 8,50 m, hein, pour les mises à l'eau, des fois c'est difficile. Aujourd'hui encore, Jean-Jacques ne peut pas le mettre à l'eau. Normalement, il devrait pêcher du homard et des crabes. Mais cela fait 4 mois que le vent l'empêche de travailler. Tous les 5 minutes, on est là aux aguets, aller voir la falaise, on prend la météo et c'est toujours le même temps tous les jours, c'est toujours le même temps, on peut pas. Là, cette année, c'est un peu spécial. Bref, ça serait mieux d'avoir du froid, de la neige, tout ça, que de ce temps-là. Hein. Quand il y a du froid, bon ben, on va quand même à la mer, hein. C'est pas pareil. Hein. Tandis que là, c'est vent d'ouest sur vent d'ouest, c'est toujours des tempêtes. Hein. Peu importe, pour Jacques, chez lui, on est pêcheur de père en fils. Il y a des gars, ils y vont pour l'argent, mais nous, non, c'est pour mon boulot, tout ça, mais j'adore ma métier. À 800, comme dans les villages alentours, il n'y a pas de port. Alors ces bateaux d'échouage restaient toujours sur la plage. Ils attendaient la marée haute pour partir au large. Aujourd'hui, ils ont disparu, ou presque. Les derniers sont exposés comme dans un musée à ciel ouvert. Michel en a une quinzaine, il restaure leur vieille coque. Justement, on se demande si on ne va pas le laisser là. Parce que ça fait partie du paysage de la côte d'Opale, c'est de laisser des flobards dehors. Ces flobards étaient les bateaux typiques de la côte d'Opale. Plus personne n'en construit aujourd'hui. Certains plaisanciers en ont conservé. Ils sont construits en orme, le bois du pays. En bois, ils étaient assez fragiles quand même. Hein. Ouais. La durée de vie d'un bateau, un flobard en bois, c'est 10 ans. Hein. C'était des bateaux qui étaient fabriqués très vite, en un mois et demi de temps. Et ils avaient un métier très usant avec les vagues, etc., les coups sur la plage. La pêche artisanale a décliné dans les années 70. Depuis, les bateaux bien plus gros partent du port de Boulogne-sur-Mer, à 20 km d'ici. Attaché au patrimoine, Michel transforme aussi une maison de pêcheur en musée. Construite vers 1830, comme les autres, elle est faite en pierre de mer. C'est des pierres qu'ils retrouvaient sur la plage ou alors dans les falaises. Alors, le gros problème de ces pierres de mer, c'est que forcément, il y a du sel dedans. Et donc, ça engendre un taux d'humidité à l'intérieur qui est assez important. Et ces maisons étaient construites en matériaux locaux. La charpente est souvent faite avec des bois de bateaux de récupération. Donc, il y avait des entreprises locales qui faisaient échouer des gros bateaux sur la plage et qui vendaient le bois aux fermiers et
aux menuisiers, aux charpentiers et aux matelots locaux. Et cette maison était scindée en deux. Plusieurs familles de pêcheurs vivaient ici. Ils vivaient beaucoup dehors aussi. Dès qu'il y avait un temps comme ça que c'était agréable, ils étaient mieux dehors que dedans, à cause de l'humidité. Donc dès qu'il y avait un peu de soleil, on voit beaucoup de photos de maisons de pêcheurs. En fait, les pêcheurs ont sorti leur table à leur chaise et ils sont dehors. Et ce n'est pas pour faire un barbecue, hein, c'est parce qu'ils étaient mieux dehors que dedans. Mais il n'y a pas que le cours de l'histoire qui a changé à Huisson, le tracé de la côte également. En cause, une importante érosion due en partie au réchauffement climatique. Avant, il y avait des cabanes en bois sur la plage, mais c'était il y a longtemps. Impossible aujourd'hui, la mer les emporterait. En 1945, à peu près la fin de la guerre, à nos jours, à certaines parties de la baie d'Huisson, il y a eu 300 mètres de sable qui ont été enlevés. C'est toujours inquiétant de voir la montée de la mer. Si on ne trouve pas de mesures pour contenir cette montée, les maisons ont un certain risque. Il y a des propriétaires qui ont peur. Les habitants de Huisson sont attachés à leur village. Ils comptent bien tout mettre en œuvre pour préserver leur histoire et cette côte magnifique. Ça doit être sympathique, la plage de Huisson aujourd'hui. Oui, avec un 15-16 degrés facilement cet après-midi. Vendu, ouais. J'y cours.